Et c'est la fin. Remporté 28 000. Ma team est là. Low Viral, Greg, mon team manager. Et c'est les 28 000. Les 28 000 dollars. Premier sur 169 sur le 500 dollars. Je vais pas gagner le bracelet. Tous les dimanches dès 20h, les plus gros tournois online au monde sur Yo Viral TV. Bon, on va se casser d'ici, on se casse d'ici parce que là j'ai tout essayé, il y a rien qui prend. Donc il y a peut-être des blocages de stream dans l'internet du Bellagio, je sais pas du tout. Donc maintenant on va aller au Vedera. Je cours, on court, on fonce, merci à l'eau qui m'aide à mort là, elle est en train de tout remballer. Je ne serai pas en retard pour gagner le bracelet. Dans les couloirs du Bellagio, on va essayer de trouver un spot pour que je puisse installer le PC. Donc j'ai vu qu'il y avait le 3333 WSOP Online. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un 500$. Et un 500$, donc je vais faire les deux. Et je vais la semer. C'est la guerre, le tournoi va commencer. Bon, là on est nouveau Vedera. Je vais m'installer. C'est parti, le tournoi commence dans 1 minute 30, ça y est, je suis installé. Allez, regardez, 3300$, 95 inscrits pour le moment, WSOP Event 61, 3333$, c'est parti, register. J'avais déposé 6000, ça va me coûter la moitié. Sur le 500 là, j'ai pote. J'ai pote tel un pote. Ouais, il y a eu limp. Non, mais il a pas limp. Ah non, mais c'est un 4 bet que je fais là. Ah, j'ai même pas regardé, tu sais quoi. Ah, il m'a ma snap call. Hein. Alors, il y a eu raise 120, blind 20-40. On a une tonne en fait, 250 blind. 120 payé, 120. Ici 480, ici 1700. Bah, il a le droit d'avoir deux dames. Hein. Il a rarement un as-valet suité, je vais le checker. Je recheck parce que quand même, en fait, je prends de la value que contre as-valet, mais il a pas as-valet. Il a pas as-valet souvent en fait. Parce que genre, il a collé le 4 bet, donc du coup, là c'est dangereux. Déjà, je suis pas content, là je vais coller, mais je suis pas content. River 4, il faut espérer qu'il ait as-roi pour partager. Mais je pense pas qu'il bête as-valet à la turn en plus. Ouais, pas de bluff. Ouais, 2300, il va m'obliger à payer, mais bon, il peut avoir deux dames. Bon, ça va être payé et j'espère qu'il y a As-3. Je paye pour splitter en fait. Il y a As-10, qu'est-ce qu'il fait? Il comprend rien. Oh, bienvenue au Nevada, les gars. Bienvenue au Nevada. Tournoi à 500$, le mec il a valu 2 streets As-10. Mais il croit que je vais payer avec 2 rois ou quoi? Je suis en train de mourir avec. J'ai failli folder As-3, tu sais. Et voilà, regardez mon avatar qui s'est matérialisé en réel là. Avec un peu moins de barbe. Mon avatar est là. Avec 8000, 20 blindes. Je suis à tapis. Dans le main event WSOP, couvert par toute la table. Dans le main event, dans le 3003, c'est pas le main event, mais c'est un 3300$. Event 61 des WSOP, à tapis avec les deux dames. Oh là là, je suis richove. Le mec il richove 40 000 alors qu'il y a des mecs qui ont 32 000. Il a As-Roi. Le flip d'une vie. Je crie dans le Vedera. Une brique. Oui. Double up. Double up dans le Vedera. Je m'en fous, il y a tout le monde qui me regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Je m'en fous, les gars, j'ai doublé. C'est pas facile, hein, faut manger en même temps. Deux tables, enfin la connexion nickel, on est trop bien là, je suis bien placé. Une bonne alimentation. Merci hein. C'est très bon ce que tu m'as pris. Hein. C'est adapté pour les grinders. Je vais saucer. Ah, je suis saucé. Tu te régales comme un salaud hein. Ah, je me régale bien. Franchement, j'étais en tilt à la première heure parce que je galérais avec les connexions, avec les hôtels et tout. Il y a des pare-feux de partout, hein. J'ai essayé de pirater le Bellagio mais rien à faire, le Twitch je lançais pas. Du coup, on est revenu au Vedera. Là je suis mieux là, là je suis posé, tu m'as ramené à manger, j'ai mangé, j'ai bu un jus d'orange pressé, j'ai même un club soda qu'on a réussi à faire passer en note de frais. Ah ouais, oh, ouais, on s'est mis bien ouais. As-Dame, on va y être, je vous le dis, avec 20 big blinds on y est. Alors, je vais faire le play low variance, je vais coller, je vais faire le play low viral. Sur une range plus fin de parole, j'aurais plutôt fait tapis. Sur une range de cette position là, je vais plutôt coller. Oh là là, As-3-3 c'est un très bon flop. Bah si y a As-3 en face, il y a As-3. Mais As-3-3 c'est un très bon flop, il y a deux trèfles. Je vais simplement payer le flop. Turn dame, je fais deux paires au cas où il est As-3. Oh my god, si jamais il a... Check assez vite. Je pense qu'il a quelque chose là. Allez, je bet. Et je ferai tapis river. Il fait tapis lui-même, il a As-9, il est drawing dead. Oh my god. Finalement le play low variance a mieux fonctionné. Si j'avais fait tapis pré-flop, il aurait foldé.
Et là, ils ont se retrouvé à trouver top pair chacun. As 9 off, il aurait totalement foldé préflop. Incroyable. Le play qui voulait être un play low variance, qui s'est retrouvé à être un play de double up. Oh, les barbus juste après sur le 500. Il y a combien la gagne de 500? 28 000 $. Oh là là, c'est bien monté, hein. Je suis 30e sur 118 restants. Oh, je me fais surrelancer quand j'ai paire de roi. Vous imaginez, le mec, il a pas beaucoup. Alors là, je vais faire tapis. Et il paye paire de dames. Un as. Une dame, non. Mets-moi un valet, mets-moi un roi. Le valet d'une vie. Ok, j'ai gagné ce coup. Quinte. Open shove, je suis à tapis. Dans double SOP avec roi dame en même temps que je fais gagner le ticket à Pierre Bourgeois. Oh là là, je suis richov. Tu peux m'envoyer ça par WhatsApp. Oh là là, il y a as 10 suité. Mets-moi un valet. La dame d'une vie. La dame d'une vie. Non mais il y a tout le monde qui me regarde. Je suis des amis, j'ai fait la dame river, j'étais éliminé sinon. Yo la famille, toujours in après 5 heures de tournoi. Ça fait déjà 5 heures que je joue. On dirait que j'ai froid, mais en fait je viens juste de remettre mon pull parce qu'il y a un peu de clim, c'est Vegas. L'eau virale est là. Le PC est là, vous êtes là. Greg, Serran Maillard, team manager PMU est dans la place. Chacun veille au grain, je viens juste de passer un coup incroyable. J'avais roi dame, j'ai fait tapis pour 20 big blind. J'étais payé par As-10, au flop est venu un 9, un 8 je crois, un 2. À la turn est venu un 10. Ça fait que maintenant je joue le valet, la dame ou le roi, mais sinon je suis mort. Et la river, salvatrice, une dame, incroyable. Et j'ai doublé comme ça au bout de 5 heures de jeu, qu'est-ce que c'était important ce coup-là. J'ai valu merguez avec Ivan Dera à ma table, très bon joueur français qui doit être dans la villa là-bas avec sa team. Donc bonne chance à lui et je vous tiens au courant de la suite de l'avancée de ce tournoi puisque vous êtes plus de 1000 encore alors qu'il est même presque 5h du matin en France, plus de 1000 en direct sur YouTube et Twitch à suivre ça. Paire de 3 contre As-Dame, le flip, 50-50, attention une brique s'il vous plaît. Oui la brique, j'élimine un joueur, Three Lions, sur le 500 $, 50 000 garanties. T'es bon, y'a quoi dedans alors? Fais ta relief, tomate, concombre et la salle. Ok. Payé, 2 plugs contre 10 et 9. Allez, drawing dead. Oh, j'en ai mis partout la salle. Allez. Ouais, comme dans un film. Hein. Le dame au bouton sur le 500 $. Oh là là, il me fait tapis. J'ai deux copines. Les deux copines, je vais payer. Il s'appelle I Need Massari. I need to double up moi. Toi tu need du Massari, moi je sais pas ce que c'est, mais moi je veux doubler. Même si l'autre il fait tapis, je paye, hein, je vous le dis. Oh là, payé, allez hop. Deux valets et à suite en face. On peut vraiment. Oh là là, la dame d'une vie tout de suite. Drawing dead, le triple up, incroyable. Incroyable ce triple up. Sur le 500 $. Tournoi à 500 $, 28 000 $ à gagner. 133 000 jetons. Embellie. Oh là, j'ai fait tapis sur le 500. Payé par deux as, c'est la bulle du 500, j'ai fait tapis par deux sacs, je fais le 5 d'une vie. La brique s'il vous plaît, Louis Linard s'il vous plaît. Oui, incroyable ce 5 d'une vie, j'élimine le mec à la bulle, le 5 d'une vie sur le 500 $, non mais sérieux. Non mais c'est une blague, le mec le pauvre il a bust avec deux as à la bulle quoi. On était 320 joueurs à avoir mis les 3333 $ demandés pour s'inscrire au tournoi, on est plus que 85. Et là je fais tapis, est-ce que vous allez savoir si je fais éliminer ou pas à 6 off en bataille de blind avec 11 et quelques big blinds à la bulle de la table finale. Plus que 9 joueurs, il paye roi 7. Sur le 500. Une brique. J'appelle Louis Linard. Louis Linard, je fais brelon de 6, ça servait à rien. J'étais devant. Je double. Incroyable ce double up inespéré. Allez. All in. Je pense qu'il bluffe. Non, il bluffe pas. Allez, on peut le faire. Mets le valet. Oh putain. Oh là 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 là. Ah. Le 4-bet shove d'une vie, c'était sur le 500. Ah oui, il me l'a mis, ouais. Et 30% j'avais. Même pas. Incroyable, je suis vraiment un Yuki, elle a dit le viral, ouais. J'accepte d'être un Yuki sur ce coup. Ah, oh, le pot d'une vie celui-là. En même temps, je lui ai mis un suck out. C'est la vie. Faut pas me le rendre trop facile celui-là. Putain, je passe à 28 blindes, mais je passe énorme. Il vaut cher celui-là. En même temps, l'autre valait cher aussi. Hein. 3ème sur 10. Et j'ai valet dame avec
c'est pas évident, je suis dernier en stack, je pense que c'est un shove assez. Vu que je suis dernier en stack, avec des bons bloqueurs sur deux dames, deux valets, sur as dame aussi qui m'aurait collé. Donc ils ont moins souvent ces mains là. Et surtout je vais être de grosses blindes après. Ou payer par paire de 6. On joue les piques. On joue le 10. On a fait les piques là ou pas? On a fait couleur. On a fait couleur et le flip est gagné. Waouh. Les amis, c'est juste dingo ce qui se passe puisque je suis à 4 joueurs restants de 28 000 $. Donc sur le tournoi à 500 hein, que j'ai lancé en plus du WSOP à 3003. 4 joueurs restants, je suis chip leader. Je suis assuré de 7 000 et quelques dollars. À côté de ça, j'ai fait mon premier item depuis que je suis à Vegas là cet été sur du coup le WSOP à 3003. Item pour on est plus que 45 joueurs restants sur les plus de 300 départs. Je prends 6 500 je crois dollars. Donc là, ça fait déjà une soirée à 13 000 plus 10 000 net là. C'est vraiment folie quoi. Et surtout, il y a 322 000 $ à la gagne du WSOP. On est plus de 45 joueurs et il y a un bracelet de champion du monde. Bref. Il y a tout qui se mélange dans mon esprit, je vais prendre l'air un petit peu parce qu'il y a 3 minutes de break. Deux rois, encore tapis. Encore tapis clairement. Il n'y a pas d'autre play. Je peux pas 3 bet maintenant, ça ferait bizarre. Allez, payé par roi dame. Oh, il s'est enflammé là. Oh putain, une brique. Une brique. Oui. Le double up, il s'est enflammé, il m'a payé roi dame 20 blindes. Ouais, c'est un peu enflammé, mais il a vu que j'ai fait tapis plein de fois. Ouh, j'ai les barbus, les barbus. Les barbus sur le 500 à 3 joueurs restants. Je suis deuxième stack, mais on est très serré avec Willy Ruggs et très serré avec l'autre aussi. En fait, c'est un mouchoir de poche entre 3 joueurs. Il y a un as au flop. C'est souvent le cas quand on a les barbus. Alors. Je vais quand même bet pour value contre un 7, un 5. Les flush draw. Là il call, 8-9 a fait une paire. Donc maintenant j'abandonne pas mal de cartes dans ce spot, donc je vais checker. Là c'est une très bonne carte river. Là c'est une très bonne carte parce qu'il a moins souvent l'as. Donc 6 bet 108 000 c'est moins une bonne carte parce que bon là il représente clairement ou l'as ou 6-8 ou un bluff. Donc je le back s'il a un bluff. Je pense que pas évident. Là, c'est pas évident. 6-4. Flush draw. 2-10. 2 valets. Je vais devoir coller parce qu'il peut. Ouais, 2 valets et 3 bêtes normalement. Mais le value 2-10. Je vais devoir coller. Je suis pas très content, mais je vais devoir coller. Il a 8 et 9. Il a value le 9. C'est ambitieux. C'est ambitieux qu'il ait value le 9 parce que je suis pas sûr de ses bêtes un 7 100% du temps. Deux rois, ça a de l'intérêt de ses bêtes parce que du coup il a plus souvent un 7. Mais si moi j'ai un 7, ça a moins d'intérêt à part peut-être les meilleurs 7. Donc là il s'attend à se faire payer par un 7, c'est un peu ambitieux de value 9 et 8, je trouve. Je pensais plus 2-10, éventuellement les bluffs à trèfle, les 6 et 4 en bluff. Ouais, je fais open shove quand même. Raise a de l'intérêt aussi, hein. Raise c'est pour call le tapis. Open shove c'est pas. Enfin, oh, paire de 7 contre as dame, le flip d'une vie. Là pour le coup, c'est vraiment le flip d'une vie. Hein. La brique. Yes! Allez mon Greg! Greg qui a plus. Et qui a plus vibré que moi sur cette river, putain, et pourtant je peux vous dire que je me suis tué, mais c'était intérieur pareil que Greg. Hein. À l'intérieur c'était comme Greg. Dame 9, c'est tapis, il n'y a pas d'autre play en bataille de blindes. Pour moins de 10 blindes. Sur le double SOP à 3003, oui parce qu'il est toujours là, vous l'avez oublié. Payé roi 4. Je sais que je vais gagner. Allez! J'avais dit, je sais que je vais gagner! C'est trop beau! Ils savent! Anissa Kate, les indigènes, ils savent tous que vous êtes là réunis, que vous avez fait nuit blanche, ils peuvent pas vous décevoir, personne peut nous décevoir, on est immunisés! Il y a l'argent sur la table comme dans les WSOP. Bon, c'est virtuel, hein, mais. Mais bon, c'est quand même du vrai argent dans l'histoire. C'est que je suis assuré de 16 549 vrais dollars, hein. En faisant deuxième de ce tournoi, dans tous les cas. Et maintenant, je joue pour 28 000. Donc le heads up, il vaut 12 000 quand même. Hein. C'est un heads up qui vaut 12 000 dollars. Donc faut pas rigoler là. Alors, on peut rigoler, mais c'est important. Alors, j'ai fait couleur river sur couleur au 5. Ce que je vais laisser bluffer du coup. Il n'y a pas trop de value. Bon, il a pas bluffé, il a checké, j'ai gagné. Très bien aussi. Ah, c'est la folie dans le chat. Non, j'ai pas le 3 bet. Je vais jouer du post-flop avec lui. C'était dans les tableaux, ça 7-7. Bah oui, 20 bébé deep, M3 for fun. Il faut que tu révises tes tableaux, mon ami. On peut raise call, mais on peut aussi open shove. Tac tac tac, sur ce board là je vais pas check. Ah, ici c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça. Là je vais bluffer et après j'arrête de bluffer river. Là j'essaie de faire fold les hauteurs as, les hauteurs valets.
les hauteurs roi. Sauf que là j'ai fait qu'un triver, donc du coup je vais continuer. J'ai tellement peu de bluffs dans ce spot que j'ai bien envie de checker, mais en même temps il va pas bet. Ouais, je vais bet juste 90 000, j'ai tellement peu de bluffs. S'il reste, c'est chiant. Bon, la quinte qui gagne. J'ai fait au plus petit, hein, franchement. Pas moi, je deviens fou. Tellement vous êtes là, vous êtes des rocks. Vous êtes des rocks derrière votre PC, vous êtes encore plus des rocks que moi. Bonjour, bonjour. Bonjour, j'ai ma permis, et toi? Ok, je m'appelle Yo, Yo Viral. Bonjour, j'ai ma permis. No, God, please, no, no. My name, Yo Viral. My name is C. Non, my, say my name. My? Yo, non, my, say my name, Yo Viral. Yo Viral. Yo Viral. Lo Viral. Yo Viral. Yo Viral, Viral is my girlfriend. Lo Viral is my girlfriend. Oh, where's your girlfriend? Inside, I'm so going come to... Outside. Bon les amis, Radio Poker, il y a du monde partout, c'est Vegas, hein. Les gens sont ouf à Vegas. Bon les amis, je vous dis à tout à l'heure, je veux gagner ce bracelet. Sur le WSOP, contre paire de 8. Le flip important, je le couvre, hein, mais important, un as ou une dame. Ok, je tombe short, c'est pas grave. J'ai shove 10 et 8 suité sur le WSOP. Ici, dame 5, c'est un shove pour 12 blindes avec les antés en plus. Je fais la dame, il fait le roi. Un carreau. Le carreau d'une vie. Oh, je suis vraiment incroyable. Un 7. Non. Je buzz du WSOP, je gagnerai pas le bracelet. Payé par paire de dames. Non, c'était le bottom range, j'ai vérifié. Hein. C'était vraiment un shove. Les 7 blindes. Je prends. Ah, il y a peut-être un palier là que j'ai raté. C'est pas grave. 7 600 $. Raise the call. Allez, je vais défendre le 4 et 6. Ouh, flop sympa. Middle pair, open-ended. Donc tirage quinte et paire moyenne. Je joue un 8, un 3 pour faire quinte. Un 6 pour faire brelan. Ça se colle là. La turn est un roi de carreau qui ouvre un deuxième tirage couleur. Alors il a fait 85 au flop 70. Il n'est pas facile ce spot hein, parce que là. Ah, c'est ce que je voulais pas voir. En même temps, il a pas trop de roi qui sait mettre le flop, hein, franchement. Il a souvent ou un draw, une main faite plus forte. Je vais encore coller. La quinte river, c'est une très 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 bonne nouvelle. Je vais le laisser bluffer s'il a un draw. Le laisser value s'il avait rien. Wow, il a checké river, c'est incroyable. Quand j'avais une bonne hauteur. Payé As-3 contre Roi-Dame pour le coup final. Ou pas. Une brique à la river et c'est la fin. Et c'est la fin. Remporté 28 000. Ma team est là. Lo Viral, Greg, mon team manager. Et c'est les 28 000. Les 28 000 dollars. Premier sur 169 sur le 500 dollars. Je vais pas gagner le bracelet. Je fais 28ème du bracelet. Bon. Et ben premier, ça c'est plus qu'une bonne. C'est plus qu'une bonne surprise hein, quand même. 28 000 sur ce tournoi. 7 500 sur l'autre. Ça fait une soirée à 35 000. Sachant que j'ai mis 4 000 en jeu. C'est vraiment une excellente soirée, les amis. Regardez, c'est juste ici pendant, je sais pas, 8h, 9h d'affilée. Sur ce canapé, c'est devenu presque un squat. Regardez, il y a. Vraiment n'importe quoi, il y a un peu de tout, il y a Lo Viral aussi, il y a Greg, tout le monde est encore là. Les amis, ben, maintenant je vous offre la possibilité d'avoir 5% de mon main event WSOP, donc c'est le plus gros tournoi, mon plus gros tournoi de l'année. Il y a 8 millions de dollars à la gagne, donc 5% de mon gain. Bah alors si je gagne rien, bah ça fera 5% de zéro, donc ça sera zéro. Mais si je gagne par exemple même juste l'ITM, donc la première place payée, ça va être 15 000. Ça fait déjà 750 $. Et si je remporte le tournoi, bah ça fait 400 000 $. Donc vous pouvez gagner jusqu'à 400 000 $. Cliquez ici pour vous inscrire, c'est très simple, juste à laisser votre mail et hop, vous êtes inscrit au tirage au sort. Donc ici, avant le 23 juillet, cliquez ici et inscrivez-vous. Les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Yo Viral. Eh les amis, vous l'avez déjà vu la quinte flush royale? J'en ai pas eu souvent dans ma vie. Hein. Flopé,